Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette session intitulée « Sobriété numérique, le temps de la grande désintoxication ». C'est une session qui a été conçue par Omnes Education et Julien Pillot, ici présent. Alors je suis Thibault Liorade, chef de rubrique pour la rubrique économie et entreprise du site The Conversation, et je suis ravi d'être associé une nouvelle fois à ce bel événement qu'est le printemps de l'économie. Merci Pierre Pascal. Alors pendant cette heure, je vous invite à réfléchir avec nos intervenants aux enjeux de l'économie numérique dans les politiques de sobriété qui s'imposent actuellement, qui s'imposent de plus en plus. Je vais simplement rappeler que l'empreinte carbone de la France liée au numérique, c'est 2,5% de l'empreinte carbone totale de la France. Et c'est en augmentation. Alors, pourtant, on entend beaucoup parler d'efforts nécessaires dans le transport, l'aérien, pensez aux jets privés, l'agriculture, le chauffage avec cette température à 19 degrés qui nous est recommandée. Mais beaucoup moins dans le numérique. Alors, est-ce qu'on peut parler d'exception, tant les outils digitaux sont devenus absolument incontournables, et puis on va même en avoir besoin pour cette table ronde, puisqu'on a deux intervenants à distance. Est-ce qu'on peut parler d'exception? Peut-être, il faut aussi parler, comme pour reprendre le titre de cette table ronde, d'intoxication. Voilà, c'est ce que nous allons voir avec nos intervenants. Je précise juste qu'on va essayer de garder 10 minutes à la fin pour vos questions, en tant que vous participiez, je pense que ça peut être intéressant évidemment d'avoir vos réactions. Mais on va écouter Asma Mala, qui est maîtresse de conférence à Sciences Po, spécialiste des enjeux politiques de l'économie numérique, et puis Julien Pillot, donc, qui a conçu cette session, enseignant-chercheur à l'INSEC, spécialiste des questions de concurrence et de stratégie, notamment dans l'économie numérique. Et puis, malheureusement, il est excusé ce matin, Raphaël Guastavi, directeur adjoint de la direction économie sur Killer de l'ADEME, qui peut néanmoins être présent avec nous par la visioconférence. On va vous passer la parole, mais avant, en introduction de cette table ronde, on va diffuser une courte vidéo de Guillaume Pitron. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Guillaume Pitron. C'est un journaliste et réalisateur qui fait un travail essentiel, il faut le dire, je pense. Son premier livre qui a été publié en 2018, La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique, c'est vraiment l'un des premiers qui alerte sur cet impact du numérique qu'on voit finalement relativement peu ou qu'on refuse de voir. On va étudier cette question. Il nous a fait l'amitié, Guillaume Pitron, de nous enregistrer une brève vidéo que je vous propose de regarder tout de suite. Bonjour. Merci de m'avoir invité au Printemps de l'économie et en particulier à cette session dédiée à la pollution numérique et à la question de la sobriété numérique. Malheureusement, je ne peux pas être là et je remercie Julien Pillot de m'avoir invité. Je ne peux pas être présent. Néanmoins, à la demande de Julien Pillot, je préenregistre volontiers ce court message. Je m'appelle Guillaume Pitron, je suis journaliste, je suis réalisateur de documentaires. Je suis l'auteur notamment d'un livre qui a été publié l'année dernière, qui est intitulé « L'enfer numérique, voyage au bout d'un like » et qui est un livre qui traite précisément de l'impact matériel du numérique, de la pollution numérique. Je voudrais juste, de façon très très courte, vous rappeler que la pollution numérique, elle est de trois ordres. D'abord, c'est une pollution matérielle, surtout une pollution matérielle. Il n'y a rien de virtuel dans le matériel. Nos interfaces, c'est-à-dire les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes, les serveurs, les câbles sous-marins, les satellites grâce auxquels transite la donnée, tout cela, ce sont des infrastructures bel et bien physiques, et 70-75% de la pollution numérique, c'est d'abord une pollution qui est due aux ressources, notamment minérales, que nous extrayons du sol et à tous les impacts de la mine pour pouvoir ensuite vivre nos vies en ligne. Il y a une autre pollution, c'est celle qui est générée par la consommation d'électricité pour faire tourner l'infrastructure. En France, le numérique représente 10% de notre consommation d'électricité, 6% à l'échelle mondiale. C'est une électricité dont la part dans la production et la consommation mondiale augmente. Elle sera probablement multipliée par deux entre 2025 et 2030. C'est une électricité qui doit être produite, notamment avec des ressources fossiles. Et donc le numérique, c'est 4% à peu près des émissions des gaz à effet de serre. Et c'est là aussi une pollution qui est un impact sur le réchauffement climatique qui va croissant, puisque ces 4% pourraient devenir 8% également d'ici la fin de la décennie. Comment est-ce qu'on prend à bras-le-corps ces sujets? Eh bien, on les traite d'abord à l'échelle individuelle. Et la première chose à faire pour limiter l'impact environnemental du numérique,
Il en sera certainement question lors de cette session, c'est d'abord de s'attaquer à l'obsolescence programmée des équipements numériques qui nous entourent. Il faut les garder le plus longtemps possible. Réutiliser, réparer, réduire, ce sont des verbes qui sont clés en vue de garder nos interfaces toujours plus longtemps et de réduire ainsi l'impact matériel de nos modes de vie connectés. Il y a évidemment des sujets autour de notre consommation de données qui se posent. Les fournisseurs d'infrastructures cloud, notamment, sont de plus en plus cornaqués par les autorités pour améliorer, pardon, leur efficience. Et cette limitation de la production de données, elle s'applique également à nous. En tant que consommateurs, nous pouvons faire des gestes très simples, tels que réduire la qualité de nos vidéos, éteindre notre modem. Ce sont des gestes qui sont très simples, mais qui également permettent de limiter cet impact de la production d'électricité autour de notre activité Internet. Et puis, la question de la modération de nos usages numériques et de l'impact écologique du numérique, je pense, n'échappera pas à des débats. N'échappera pas à cette ne permettrait pas de faire l'économie d'un débat, pardon, sur les usages, sur les modèles économiques d'Internet qui aujourd'hui favorisent la gratuité, qui permettent, enfin, qui créent une forme de simili-gratuité qui est bien évidemment une fausse gratuité, mais qui génère une surconsommation de nos outils. Je pense qu'on ne fera pas l'économie d'un débat sur la question de la priorisation des usages, de nos usages Internet. Aujourd'hui, il n'y a pas de hiérarchie des usages, ça s'appelle la neutralité du web, mais je pense que cette question va être ouverte à l'avenir. Et puis, nous allons peut-être être rattrapés par ces enjeux-là de sobriété, entre guillemets, numérique, même si je suis un peu mal à l'aise avec le mot sobriété quand il est question de numérique, mais nous serons peut-être rattrapés par ces sujets parce que notre santé mentale, notre santé physique, la protection de la démocratie, la protection de l'environnement sont des valeurs qui, dans les prochaines années, vont nous paraître plus importantes que le fait de pouvoir surfer toujours davantage sur les réseaux sociaux, être dans le métavers ou avoir encore la dernière version de je ne sais quel iPhone. Et donc, ce sont ici des valeurs qui peut-être sont au-devant de nous comme des facteurs limitants, auto-limitants à notre production de données, à notre consommation numérique et qui œuvreront pour un numérique plus responsable, je l'espère en tout cas. Bonne session, bon panel. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Voilà, cette vidéo, elle constitue, Julien, tu ne vas pas me contredire, une excellente introduction, puisqu'elle aborde beaucoup de points qu'on va développer. Mais tout d'abord, il y a cette phrase, je voudrais te faire réagir à cette phrase, Julien, que dit Guillaume Pitron, il n'y a rien de virtuel dans le numérique. Alors, je vais réagir à la phrase, Thibault, mais avant toute chose, je voudrais déjà vous remercier d'être présent et présente aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui pour venir nous écouter. Preuve que la question du numérique et de l'économie qu'il génère, mais également peut-être du côté sombre de cette économie, également sur le plan de l'impact énergétique et écologique, intéresse de plus en plus de monde. Donc, je suis très, très content d'être de nouveau parmi vous et devant vous aujourd'hui pour aborder cette thématique. Effectivement, Thibault, il n'y a rien de virtuel dans le numérique. Il y a un terme que je proscris dans l'ensemble des cours que je peux donner, l'ensemble des conférences que je peux donner, c'est le terme de dématérialisation. Dématérialisation, c'est un terme pour nous faire croire que derrière le numérique, tout est dans le nuage, c'est super, c'est génial. Sauf qu'en fait, non, le numérique, ça repose sur de la rematérialisation, énormément de matérialisation pour pouvoir concrétiser tout ce dont on a besoin pour faire du numérique, c'est-à-dire à la fois des terminaux, des objets connectés, des smartphones, des ordinateurs, des réseaux pour pouvoir les mettre en connexion, qu'ils soient réseau physique ou réseau mobile. Et puis, c'est beaucoup également d'énergie, en fait, pour pouvoir faire tous les usages numériques auxquels on est de plus en plus accoutumé. Et il est temps de se désintoxiquer. Si j'ai appelé cette session du jour le temps de la désintoxication, c'est parce que je n'ignore rien, en fait, de la face sombre du numérique. Et effectivement, il y a derrière le numérique énormément de matériel. Prenez un objet du quotidien, le smartphone par exemple. Le smartphone, 25% de ses composants sont des métaux. On trouve tout un tas de métaux en fait dans les smartphones. On trouve du gallium, du tantal, du nickel, du cobalt, du cuivre, de l'or. Et ces métaux sont présents en toute petite quantité. C'est des grammes, en fait. Mis bout à bout, ce sont des grammes. Sauf qu'on produit des milliards de smartphones. On produit aussi des milliards d'ordinateurs, des milliards, enfin, pas de milliards, mais en tout cas des milliers de serveurs cloud. Et tout ça, en fait, est très consommateur en métaux. Alors, c'est là que l'économiste, en fait, doit faire un effort
de dialoguer avec d'autres disciplines que sa discipline pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de la géologie. Et donc, on va écouter des géologues, notamment Aurore Stéphan, que j'aurais bien voulu avoir aujourd'hui parmi nous, qui aurait expliqué ça beaucoup mieux que moi, pour comprendre finalement quel est l'impact de l'extraction des métaux dont on a besoin pour notre numérique. Eh bien, ça fait froid dans le dos, croyez-moi. Déjà, comprenez que les mines, c'est 8 à 10% de la consommation énergétique mondiale. Et c'est 4 à 7% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc pour aller creuser toujours plus profondément des trous dans le sol pour trouver les métaux dont on a besoin pour nos usages industriels, mais aussi numériques, ben voilà ce qu'il en coûte en matière à la fois énergétique, mais également en matière de pollution. Mais ce n'est pas tout. Une mine, par exemple, prenons l'or. Bon, je prends un métal parmi d'autres pour expliquer un petit peu mon propos et l'illustrer. Prenons l'or. Une mine d'or moyenne, de taille moyenne, c'est environ, on va dire, l'énergie nécessaire pour extraire l'or, c'est environ 30 000 foyers français qui sont déjà très consommateurs d'énergie par an. La dernière fois que j'ai regardé donc les chiffres 2015, il y avait 400 mines d'or officielles. Donc en fait, avec ces 400 000 d'or, vous alimentez pendant un an en énergie 12 millions de foyers français. Je ne parle que de l'or. À côté de ça, il faut rajouter toutes les autres industries extractives, et même au-delà de la mine, parce qu'on pourrait parler du gaz et du pétrole. Mais ce n'est pas tout. Est-ce que vous savez, lorsqu'on détruit une tonne de roche, quelle est la quantité d'or qu'on arrive à extraire ? Thibault, est-ce que tu sais ça ? Aucune idée. Là, ça va vous donner, pareil, le vertige, parce que le rendement énergétique de l'or est absolument catastrophique. En fait, pour pouvoir extraire un gramme d'or, il faut détruire une tonne de roche. Un gramme d'or, une tonne de roche. Ça a nécessité énormément d'énergie pour pouvoir extraire cette roche. Évidemment, je passe sur les drames humains, mais on pourrait en reparler éventuellement. Donc, il a fallu beaucoup d'énergie. L'énergie que l'on utilise pour pouvoir extraire cet or et ces métaux, ce n'est pas de l'énergie renouvelable, hein. C'est de l'énergie carbonée. La plupart du temps, c'est du charbon ou du gaz naturel, d'ailleurs, qui n'a de naturel que le nom. Et puis, derrière, cet or, pour l'instant, il est sous forme de paillettes, parfois même d'atomes. Donc, il a besoin, en fait, de l'amalgamer, hein, c'est le terme technique. Et donc, on va utiliser beaucoup de cyanure, éventuellement du mercure. Maintenant, c'est beaucoup plus du cyanure. Donc, on va avoir un gros processus de cyanuration. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de chimie, en fait, qu'on injecte pour pouvoir faire un usage industriel pratique de cet or. Ce cyanure, évidemment, derrière, peut causer des dégâts écologiques absolument dramatiques. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça, la face cachée numérique, c'est l'énergie et la pollution qui est occasionnée par une extraction de plus en plus intensive de métaux dont on a besoin pour tous nos équipements numériques, mais également pour alimenter en énergie tout ce grand cirque-là. Donc voilà, il est temps peut-être de se désintoxiquer, parce que le simple fait d'utiliser de façon massive les outils numériques et les services auxquels on nous accoutume, en fait, a un impact écologique et environnemental très fort sur l'amont de la filière. Merci Julien pour ce panorama pas forcément très réjouissant. Asma, tu avais publié un article sur The Conversation il y a quelques temps intitulé « Les services des GAFAM sont devenus une commodité indispensable ». Alors, est-ce qu'on n'est pas là dans une impasse avec d'un côté tous les impacts décrits par Julien et puis cet aspect demande qui finalement ne semble pas vouloir renoncer à tous les services que lui offre le numérique aujourd'hui ? Alors, merci Thibault. Pour répondre, j'aimerais simplement vous réexpliquer très brièvement, puisqu'on a un public de jeunes étudiants, lycéens, et que ce sont des notions qui ne sont pas forcément très connues. Alors oui, l'économie numérique est tout sauf virtuelle. Ça, c'est une réalité. Mais c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et pour vous expliquer cette chose qui est fondamentale, il faut que je refasse un petit détour par la définition de ce qu'est le cyberespace. Parce qu'en réalité, c'est ce dont il s'agit. Et ça va me permettre de répondre à ta question. Le cyberespace, en fait, c'est vraiment la structure, l'architecture globale de ce qu'on appelle l'Internet mondialisé, réseau global, interconnecté, etc. Ou en tout cas, c'était l'utopie initiale et l'architecture initiale de cette infrastructure aujourd'hui absolument essentielle et qui est le socle de l'économie du XXIe siècle. Et c'est là où on va avoir une petite contradiction ou un petit paradoxe à dépasser. Et le cyberespace
à une première couche qui, elle, est fondamentalement physique. Et ce n'est pas que vos devices, ce ne sont pas que les smartphones qui sont extrêmement consommateurs, ce sont aussi les câbles sous-marins, ce sont aussi les satellites, ce sont aussi les data centers, ce sont aussi tout ce qui va servir à construire ça. Et aujourd'hui, on a une bataille géopolitique énorme autour de ce que vous avez sans doute, vous en avez sans doute entendu parler, les semi-conducteurs qui donnent lieu à une espèce de guerre géopolitique ou de techno-guerre entre les États-Unis et la Chine notamment. Donc tout ça est très compliqué parce que à la fois vous avez cette première couche physique qui est l'objet d'enjeux géopolitiques et d'une politisation de l'économie, c'est de la géoéconomie. Et puis vous avez ensuite, je vous épargne tous les détails, mais la couche finale du cyberespace, celle que vous voyez, c'est-à-dire vos usages, les applications, les applicatifs, les réseaux sociaux, vos achats en ligne, les nôtres, etc. Et tout ça, en réalité, est interdépendant et imbriqué. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, quand je parlais d'accoutumance ou d'accoutumance des usages, c'était aussi un tout petit peu dans les prémices de cette réflexion-là. C'est-à-dire qu'au-delà de la question des big tech ou des GAFAM, aujourd'hui, l'économie mondiale est basée sur l'économie de la donnée parce que c'est là où se crée la valeur économique. Et non seulement la valeur économique, mais une valeur économique qui est militarisée dans un champ géopolitique où la tech est un enjeu. Et là où on a un petit problème, c'est qu'on a cette schizophrénie du système où à la fois on a une injonction écologique réelle et en même temps, les États se livrent une guerre d'hégémonie parce que la technologie où la maîtrise, le contrôle de la technologie, c'est en réalité le contrôle demain du monde, parce que vous y incorporez de la norme, et donc de l'idéologie, et donc votre vision du monde, et qu'à partir de là, on a une inflation, disons, techniciste du sujet. Et c'est là où on a une réflexion fondamentale globale, par rapport justement, et j'en finirai peut-être là, sur tout à l'heure je vous expliquais le cyberespace, réseau interconnecté mondial. Et en réalité, depuis quelques temps, ce qu'on observe depuis des années, mais qui subit une accélération depuis quelques mois, c'est la fragmentation de ce cyberespace en autant de blocs idéologiques géopolitiques. Et donc on a la Russie qui se déconnecte progressivement, la Chine qui s'était déjà déconnectée, l'Iran et puis le camp occidental. Alors, les régimes autoritaires, dans leur stratégie technologique, préemptent assez peu le sujet de la sobriété. Les enjeux pour eux sont ailleurs, hormis un tout petit peu la Chine qui, lors du dernier congrès, a développé un début de réflexion sur la question. Et puis vous avez, nous, le camp occidental. Et la question, pour nous, démocratie, et on parlait d'état de droit et de démocratie, c'est qu'est-ce qu'on veut ? Parce qu'on en parle beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on fait encore assez peu. Et ça peut être une ligne de clivage et de démarcation idéologique, justement. Merci Asma. Raphaël Guastavi, vous nous rejoignez donc en visioconférence. Je voudrais vous faire réagir à un point de la vidéo de Guillaume Pitron. Il disait qu'il était mal à l'aise avec le terme de sobriété. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment est-ce que vous définiriez la sobriété ? Alors, bonjour à tous. Désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous ce matin. Pour des raisons de difficultés de transport. Le sujet de la sobriété, il ne faut pas être mal à l'aise avec ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à être compris et qui ne doit pas être un sujet qui fasse peur. La sobriété, elle est aujourd'hui obligatoire pour pouvoir continuer à vivre correctement vis-à-vis notamment des limites planétaires. La sobriété numérique, pour nous, c'est déjà le sujet de la sobriété de façon générale. Hein. C'est une réflexion qui doit être individuelle et collective, basée sur l'expression des besoins et questionner les besoins réels par rapport à différents sujets, à différents sujets autour de l'usage des produits et des services, en l'occurrence des services numériques, avec un objectif d'équité, un objectif d'intérêt général, et qui doit permettre de développer des démarches qui permettront de concevoir différemment, de fabriquer différemment, d'utiliser les équipements et les services de façon plus réfléchie, et donc répondre à un besoin qui doit du coup être dicté à la fois par des besoins sociaux, fondamentaux évidemment, et ce sujet des limites planétaires. Et donc,
pour cela, il est important de connaître, donc c'est ce que Guillaume Pitron met en avant dans ses différents ouvrages, c'est ce que nous mettons en avant dans nos différentes études, donc connaître les impacts des systèmes pour pouvoir après aller sur cette réflexion de sobriété et de conception différente des différents produits et services. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur les études de l'ADEME qui montrent que le numérique, c'est le domaine où le consommateur refuse de regarder la réalité en face, quelque part, de son impact. Du moins, il le réalise moins. C'est ça, c'est surtout qu'il le réalise moins. Ça a été dit, hein, c'est éviter le terme dématérialisation, là où justement tous les services reposent avant tout sur du matériel. Avoir appelé tout ce qui est service sur des data centers, des clouds, c'est très poétique. On a l'impression qu'on est sur un nuage effectivement très vaporeux et qui n'a que très peu d'impact. Alors qu'en réalité, tout repose sur du matériel qui se multiplie. Là où le problème est, c'est pas seulement l'empreinte actuelle, mais c'est l'empreinte future si ce sujet de la sobriété et de la plus grande efficacité n'est pas mis en œuvre. Donc aujourd'hui, ça a été dit, hein, c'est l'empreinte carbone liée aux services numériques en France représente 2,5% donc de notre empreinte carbone. C'est 17 millions de tonnes de CO2 équivalent. Avec comme principal impact celui lié à tout ce qui est équipement. Donc les équipements, les terminaux utilisateurs, que ce soit les téléviseurs, qui sont finalement aujourd'hui des objets connectés, les smartphones ou les ordinateurs, c'est 80% de la partie émission de gaz à effet de serre. Les centres de données, ça représente à peu près 15%, et la partie réseau, qui est donc activée soit des réseaux mobiles, soit des réseaux fixes, représente à peu près 5% de la partie carbonée de ces services numériques. 10% de la consommation électrique française, ça a aussi été dit, et ce qu'on ne voit pas, et encore moins justement lié à toute cette partie extraction, là aussi ça a été évoqué, c'est finalement toute cette partie matérielle représente à peu près une tonne par an et par habitant en France, par an et par habitant. Donc une tonne liée à l'usage de nos services numériques. Et si on le met en chiffres, en ressources, c'est 62 millions de tonnes de ressources qui sont déplacées annuellement juste pour pouvoir accéder à finalement tous nos services et à tous nos équipements. Donc ce sont des impacts qui sont réels, qui sont invisibles évidemment, mais qui ont des impacts partout sur la planète et sur l'ensemble du cycle de vie de l'ensemble des équipements nécessaires. Voilà, et tous ces chiffres sont sur une tendance haussière, bien sûr. Asma, tu voulais réagir peut-être sur ce problème de langage. On s'aperçoit qu'on est trompé par le langage, quelque part. Non, mais je veux réagir parce que je sens où est-ce qu'on est en train d'emmener la discussion, qui est très juste et qui est fondamentale. Mais j'aimerais simplement apporter quelques éléments d'équilibre. La première chose, c'est que oui, évidemment, il y a une responsabilité individuelle, sans doute, certes, sur l'obsolescence, aller sur black market, etc. Bon, c'est bien. Mais ce que j'essaie de pointer depuis tout à l'heure, c'est que c'est une question systémique, politique, fondamentalement. Et donc, ce n'est pas simplement à faire porter sur la responsabilité individuelle dans une espèce de logique néolibérale supplémentaire d'injonction, où on va tout d'un coup avoir des pailles en bambou, c'est pas le sujet. Je pense qu'on se tromperait de débat. Le débat est de se dire quel est le nouveau contrat social, quel est le nouveau mécanisme, quel est le nouveau modèle politique qu'on va construire non pas contre la technologie, mais avec la technologie. Et c'est là où j'aimerais équilibrer les choses, parce que deux éléments très rapides. La première, c'est que les technos, oui, les GAFAM, les usages, la captation de la donnée, parce que ça crée de la valeur, parce que ça participe aussi à la surveillance globale, massive, etc., qui est aussi un enjeu sécuritaire. Donc attention à remettre à plat les enjeux politiques et idéologiques sous-jacents à ce qui est en train de se jouer. Et si on n'a pas détricoté, si on n'a pas visibilisé ces mécanismes, on pourra parler d'obsolescence et de la techno qui pollue, on ne résoudra pas, on ne craquera pas le problème. Ça, c'est la première chose. Et donc, il y a une prise de conscience générale de l'ensemble du système qui est derrière, du système politique qui est derrière.
Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, qui est beaucoup plus positif, c'est que la techno peut aussi... C'est un peu un pharmacon, c'est-à-dire, comme dirait Bernard Stiegler, c'est-à-dire que c'est à la fois le poison et le remède. Alors, on a beaucoup parlé du poison, ça peut être aussi un remède. Typiquement, aujourd'hui, on a des indicateurs de mesure, on a des algorithmes, on a des plateformes qui permettent de capter, de mesurer pour ajuster les usages, la consommation énergétique, etc. aussi. Et j'en veux pour preuve que, en France... Dans certains territoires qui sont en train de travailler leur feuille de route de territoire intelligent, en gros les smart cities, on assiste à une éclosion et une émergence aujourd'hui de territoires, d'agglomérations qui veulent développer leur stratégie de territoire zéro carbone, de décarbonation, avec la techno, c'est-à-dire la mesure en temps réel des usages pour les réajuster en fonction de leur territoire, etc. Et donc, la techno, en fait, en fonction du projet politique à laquelle on va la mettre, au service de laquelle on va la mettre, pourra à la fois servir le pire, comme elle pourrait servir aussi une forme de correction, non pas le meilleur, mais en tout cas une forme de correction des dérives. Merci Asma. Julien, on a parlé du consommateur, on a parlé du politique. Il y a un autre ensemble dont on n'a pas parlé dans tout ce système imbriqué, interdépendant, comme l'a dit Asma. C'est l'entreprise, très simplement. Quelle est leur part de responsabilité dans les difficultés à basculer dans cette désintoxication numérique ? Alors c'est là que je vais reprendre ma casquette d'économiste que j'avais un petit peu laissé tomber tout à l'heure pour parler de ce qui se passe sur l'amont de la filière et faire état de l'état de l'art en géologie, puisque tu abordes le cas de l'entreprise. Et pour rebondir sur ce que vient de dire très justement Asma, c'est qu'il faut comprendre que l'entreprise est un lieu de transformation qui consiste finalement à créer quelque chose, un bien ou un service, qui répond à un besoin. Et il faut essayer de voir si finalement les besoins auxquels les entreprises répondent sont des besoins qui sont proportionnés par rapport à l'impact que ces entreprises peuvent avoir dans l'activité de transformation sur l'environnement et sur la société. Et là, je voudrais prendre trois exemples très rapides pour essayer de faire un espèce de petit bilan et essayer d'en tirer quelques grandes règles. Je vais prendre un premier exemple qui est AlphaGo. AlphaGo, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, c'est une intelligence artificielle qui aujourd'hui est capable de battre tout simplement le meilleur joueur de jeu de Go du monde qui s'appelle Keiji. Bon, AlphaGo, c'est une intelligence artificielle qui est très très performante, mais pour ne faire qu'une seule chose. Elle ne sait faire qu'une seule chose, c'est jouer au Go. Alors, ça peut être super génial de jouer au Go, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est quand même assez limité comme usage. Bon, AlphaGo, pour pouvoir l'alimenter en énergie, on a besoin de 440 kWh. Keiji, qui est le meilleur joueur humain, qui est peut-être un petit peu moins fort qu'AlphaGo pour jouer au Go, mais qui joue quand même très très bien, il a juste besoin de son cerveau, et son cerveau c'est à peu près 20 watts. 20 watts versus 440 watts. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut débrancher AlphaGo, c'est pas ça. AlphaGo peut avoir dans cette déclinaison tout un tas d'inputs dans la recherche fondamentale qui peut répondre à des besoins qui sont réellement intéressants dans le cadre d'un projet de société qui va vers l'amélioration de celle-ci. Il y aura peut-être des déclinaisons pour la santé, dans la thérapie génique par exemple, ce genre de choses. Et là-dessus, il s'agit pas du tout d'avoir un principe de précaution qui consisterait à arrêter ce genre de choses. Mais par contre, regardez le nombre d'entreprises aujourd'hui qui, pour pouvoir en fait juste pousser un renouvellement d'équipements qui ne sont pas arrivés en bout de course, en fait, connectent ces éléments. Enfin, la brosse à dents connectée, la machine à café connectée, le frigo connecté, on a vraiment, vraiment besoin. La connectivité que l'on met derrière ces outils sont une connectivité qui n'est là que pour pousser à de la consommation excédentaire. Est-ce qu'il y a un besoin qui est lié, hein, qui est proportionnel à l'impact écologique et social du numérique ? Un deuxième exemple que j'aime beaucoup, c'est les mails. J'en parlais avec Asma juste avant que la session commence. Bon, les mails, c'est super. Ça a permis, effectivement, d'empêcher le transit de tout un tas de courriers en mode papier, qui passent en plus par des véhicules, parfois par avion, qui sont très émetteurs de gaz à effet de serre. C'est super, c'est génial. Le problème, c'est qu'on envoie des mails pour tout et n'importe quoi. Et que ces mails, en plus de ça, on ne sait pas les gérer individuellement comme collectivement. Du coup, ils s'entassent. Ce sont des milliards et des milliards et des milliards de mails qui souvent ont, en plus de ça, des pièces jointes qui sont incorporées et qui sont stockées dans des serveurs un petit peu partout dans le monde, qui sont absolument énergivores. Et plutôt que de prendre le temps d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut modifier nos comportements pour qu'on émette moins de mails
et surtout qu'on les trie mieux, ben non, on a demandé à d'autres entreprises de technologie de venir calquer de la technologie par-dessus de la technologie qu'on maîtrise déjà très mal. Et on a demandé à des boîtes comme IBM de faire des solutions d'intelligence artificielle comme Watson, qui sont très consommatrices d'énergie aussi, pour nous aider à gérer une technologie qu'on utilise de façon complètement disproportionnée, sans prendre en compte tous les impacts écologiques en amont. Puis une troisième exemple que j'aime beaucoup, c'est Netflix. Il y a beaucoup de personnes ici, je pense, qui sont des consommateurs de vidéos streamées. Alors, ça peut être par Netflix, mais Disney+, Amazon Prime Vidéo, mais même les réels ou les stories que vous faites sur Insta, c'est la même, en fait. Le streaming. Quand ça a permis, effectivement, une dématérialisation, je vais employer ce terme que je déteste, de choses que l'on pressait initialement sur des choses qu'on appelait des VHS, des DVD et des Blu-ray. Bon, il y a des études économiques, en fait, plus qu'économiques, c'est pluridisciplinaire, qui ont démontré qu'effectivement, un film en version numérique émet moins de pollution que le film en format dématérialisé, en tout cas numérisé. Le problème, c'est qu'on a créé des systèmes d'incitation économique dans des business models qui poussent à la surconsommation à la fois de films, de séries, mais également de vidéos très courtes qu'on a sur TikTok, Instagram, etc. Et c'est cette surconsommation, en fait, qui est corrélée à quoi ? Qui est corrélée à un business model qui permet derrière de surconsommer parce qu'on vend de l'illimité, parce que ce qui compte, c'est de vous capter l'attention le plus longtemps possible sur ces services-là, parce que pendant que vous consommez ces services-là, non seulement vous générez de la donnée, à ce moment on a parlé tout à l'heure, de la donnée qui est le kérosène de l'économie de ces entreprises numériques aujourd'hui, mais en plus, pendant que vous êtes sur ces services-là, vous n'êtes pas sur les services concurrents, vous n'êtes pas en train de faire autre chose. Vous consommez du contenu et vous générez de la donnée, donc de la valeur pour ces entreprises-là. C'est cette surconsommation qui fait que, in fine, le streaming émet infiniment plus d'externalités négatives, que ce soit en matière de consommation énergétique, mais en amont aussi, j'y reviens toujours, de métaux, que l'industrie physique qui l'entend remplacer d'une certaine façon. Et donc voilà, on a vraiment un problème d'adéquation entre les objectifs d'entreprises qui ont des choses à vendre et des consommateurs qui parfois ne connaissent pas l'impact réel de leurs usages auxquels ils sont très fortement incités par les entreprises qui ont des choses à vendre, et au milieu de tout ça, un impact global de ces solutions sur le plan à la fois économique, certes, parce que ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur, mais également sur le plan environnemental et humain. Asma, il y a un instant, tu parlais de choix politiques. Est-ce qu'ils ne sont pas justement là, dans ce qu'évoque Julien, les choix politiques des États qui, finalement, interdiraient, avec des gros guillemets, des business models qui pousseraient vers la surconsommation? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est même pas un peu utopique quand on voit le poids d'un Facebook par rapport à un État grand ou petit? Beaucoup de questions dans ce que oui, je viens de dire. Beaucoup de questions. Alors, je ne vais pas résoudre les problèmes du monde en 5 minutes. C'est très compliqué. Mais simplement parler dans le sens de Julien, parce que ce qu'il souligne est fondamental et très, très juste sur les modèles économiques de la data économie, de la donnée. J'irai encore plus loin avec le fameux métavers ou les métavers. Et là, pareil, c'est jamais questionné, interrogé, c'est pris comme étant une réalité en soi, pour soi. Et alors, ça interroge quoi? Ou ça nous fait poser quelles questions? C'est la question de l'innovation comme fin en soi. Or, à la base, initialement, l'innovation, ce n'était pas une fin en soi, c'était un moyen pour autre chose. Alors pourquoi? Pour le progrès social, pour le progrès de la connaissance, pour une forme de justice sociale, d'accès à un certain nombre de services fondamentaux, l'éducation, la santé, etc. Et le problème, c'est que ce qui s'est transformé au fur et à mesure, c'est que cette innovation est devenue une espèce de course sans fin où tout le monde se suit, se tient par la barbichette, État et plateforme compris, pris eux-mêmes, imbriqués les uns avec les autres dans cette espèce de nouvelle, ce que j'appelle, enfin, les nouvelles formes de pouvoir qu'on voit à l'aune de la technologie et en particulier du numérique. Je suis désolée de vous dire que
si on ne met pas à plat la question de quel est le système, quel est le modèle politique qu'on a envie de reconstruire, dans un monde qui est en crise, dans un monde qui est très instable, on n'aura pas la solution. La solution, on la connaît, en fait. La solution, on la connaît, et pourtant, on continue à entrer dans le mur. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est pas qu'on est fou, c'est pas qu'on est malade, c'est pas qu'on est complètement inconscient, c'est parce qu'on priorise, et que la réelle politique, aujourd'hui, oblige les États à prioriser des enjeux immédiats de sécurité de frontières, de souveraineté, dans un monde géopolitique qui est en train de se fragmenter, de se fracasser, et où on a la guerre qui vient sur le sol. Et les sujets sont absolument liés. Hein. Je ne suis pas en train de vous faire une espèce de entre parenthèses ou d'aparté. C'est lié. On a besoin de la technologie pour des enjeux beaucoup plus immédiats aujourd'hui qu'un enjeu qui arrive et qui est un tout petit peu plus secondaire, pardon de le dire, en tout cas dans les feuilles de route politiques actuelles, qui est la question de la sobriété numérique. Et simplement, pour paraphraser Jean Covici, parce que j'aime beaucoup sa formule, c'est sobriété, c'est le contraire de quoi ? C'est le contraire de l'ivresse ou de l'ébriété. Et alors, c'est de se demander, c'est l'ivresse de quoi ? De quoi est-ce qu'on a été ivre jusque-là ? Nous tous, collectivement, et d'abord... Mais quand je dis collectivement, c'est nos systèmes, nous imbriqués dans ces systèmes. Ce n'est pas juste nous individuellement face à notre Nespresso ou notre frigo. C'est vraiment une question collective et c'est ça qu'on tend à perdre. C'est pour ça que des formats comme ceux de ce matin sont fondamentaux. C'est de rouvrir des débats publics, des espaces de discussion où chacun peut se réapproprier ces enjeux-là. Mais je n'ai pas de formule magique à cette question parce que je pense que c'est une question de priorisation et de réel politique. Priorisation, par exemple, dans les usages, on pourrait dire, oui, cette énergie, on va la consacrer à des intelligences artificielles qui aident à diagnostiquer le cancer. Et par contre, messieurs, dames, les brosses à dents connectées, merci, au revoir. Pour vraiment matérialiser ce que je suis en train de dire de façon un peu plus, disons, solide. Quand votre bloc occidental est mis à mal par des régimes qui sont en train de le chahuter et que la technologie est un instrument d'hégémonie, est un instrument de pouvoir et de puissance et d'influence, on ne peut pas aujourd'hui débrayer. C'est assez simple. On ne peut pas débrayer, sinon on est déclassé. Je pense à la Chine. Je pense à la Chine, je pense à la Russie sur les questions des réseaux sociaux, de la guerre informationnelle, des cyberattaques, etc. Or, tout ça est consommateur. Donc, en fait, on est dans cette espèce de contradiction et de paradoxe où, à la fois, on doit débrayer, mais dans un monde où on doit accélérer par ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est pas du tout évident comme question. Alors, justement, je vais repasser la parole à Raphaël. Raphaël, comment est-ce qu'on accélère aujourd'hui cette sobriété, étant donné la taille des enjeux, hein, remettre à plat l'ensemble du système, et ce, à un niveau mondial, avec des États pas forcément coopératifs. Pour revenir à peut-être quelque chose de moins général, quels sont les prochains sujets que vous avez identifiés, vous, à l'ADEME, sur lesquels vous travaillez, et ces sujets qui permettraient d'accélérer cette sobriété ? Alors, juste peut-être en réaction. Alors déjà, je me rends compte combien c'est difficile d'être en format hybride et que c'est certainement une des limites aussi des technologies. Ça aurait été bien plus efficace d'être avec vous aujourd'hui dans le débat. J'ai entendu parler d'innovation et c'est vrai que nous sommes dans une innovation permanente sur le numérique. Que ce soit sur les usages ou sur le matériel. Et cette innovation permanente, elle rend vraiment compliqué justement ce principe de sobriété aujourd'hui, avec des questions qui sont effectivement géopolitiques, ça je partage complètement, et une place de l'Europe qui reste difficile à définir, coincée un peu entre une puissance côté américaine, États-Unis, qui... a bien compris la valeur de la donnée et de capter effectivement cette richesse de la donnée et de faire en sorte que nous soyons les produits au travers de la production de données. Et d'un autre côté, toute la partie ressources matérielles qui est clairement positionnée côté plutôt asiatique avec cette à la fois recherche d'être, et c'est le cas, l'usine du monde, mais aussi d'avoir la main mise sur les principales ressources
notamment minérales, qui sont soit situées en Asie, mais aussi avec l'achat de terrains et de mines qui sont situés en Afrique ou en Amérique du Sud. Et donc, quelle est la place de l'Europe entre ces deux grands blocs et le besoin, effectivement, de commencer à travailler sur le sujet de la souveraineté. Ça a commencé justement avec essayer de rapatrier les données pour qu'elles soient toutes, enfin, les données des Européens, qu'elles puissent être stockées sur le sol européen. De la même façon, lancer des grands travaux d'industrialisation pour construire des semi-conducteurs. C'est ce que fait aussi les États-Unis d'ailleurs. Et donc, on est encore dans l'accélération à la fois de la production de données, de la production de matériel, ce qui va à l'encontre justement de ces principes de sobriété. Je pense qu'on a été vraiment biberonné au principe d'une énergie abondante, peu chère, de la même façon ne pas se poser de questions sur les limites planétaires en termes de ressources. Et donc ça impose quand même de travailler sur ce sujet de la sobriété. Alors, de façon simple comme aujourd'hui, c'est effectivement ouvrir le débat, de sensibiliser, de faire comprendre, de faire connaître l'ensemble de ces impacts, de faire prendre conscience des limites qu'on a par rapport à cette très grande débauche d'énergie et de ressources. Travailler sur le développement d'outils, j'ai entendu parler aussi d'outils de mesure, d'impact. Là aussi, il y a énormément de progrès à faire en termes de mesures plus fines et plus régulières, récurrentes, des impacts environnementaux, parce que là aussi, on a une grande multiplicité et hétérogénéité des méthodes et des mesures, et il faudrait pouvoir avoir quelque chose de plus normé, de plus fiable, pour aller après sur des principes d'éco-conception. Évidemment, c'est pas nous, en tant que consommateurs qui allons éco-concevoir les produits, il s'agit bien d'engager l'ensemble des metteurs sur le marché d'équipements pour aller sur des principes d'éco-conception, de durabilité, de modularité, de réparabilité des équipements pour les faire durer le plus longtemps possible et puis travailler sur les usages. Je l'ai dit tout à l'heure dans ma définition de la sobriété, c'est bien effectivement regarder quels sont les besoins fondamentaux pour pouvoir se concentrer sur ces usages en particulier. Alors vous me posiez la question sur quelle suite au niveau ADEME, Agence de la Transition écologique. Nous, on souhaite travailler sur des sujets qui sont précis, qui sont pour l'instant peu documentés, comme par exemple l'impact des blockchains, la question par exemple du cloud gaming qui monte en puissance aussi, qui représente mine de rien beaucoup de données, mais aussi des sujets autour de l'impression 3D, par exemple, et faire en sorte de pouvoir avoir plus de capacité de faire de la réparation, donc toujours dans cette optique d'augmenter la durée d'usage des produits. On va publier dans les semaines qui viennent une étude qui est sur la digitalisation des biens culturels, ça a été évoqué, notamment regarder quels sont les impacts de solutions de type streaming vidéo ou audio, versus un CD ou un DVD. Et donc là aussi, pouvoir en tirer des conclusions en termes d'amélioration des systèmes. On travaille avec des grands distributeurs de contenu, que ce soit par exemple Canal+, ou d'autres, sur des projets de recherche pour diminuer les impacts. Mais bien sûr, derrière, toujours cette question de attention à l'efficacité qui peut engendrer des effets rebonds. Et là où on a un système plus efficace, si on s'en sert plus en valeur absolue, on risque d'avoir globalement plus d'impact environnemental, d'où ce sujet qui n'est pas seulement de l'efficacité, mais quelque part de la prévention, si on ne veut pas utiliser le terme de sobriété. En tout cas, être surtout sur ces modifications plus profondes des systèmes. Merci beaucoup, Raphaël. Donc, on voit que le débat avance, la réflexion avance, la recherche avance, les entreprises s'associent. Néanmoins, Julien, je voudrais quand même qu'on considère l'hypothèse où on n'arriverait pas à bifurquer, pas suffisamment. Quel est le risque qu'on n'arrive pas à bifurquer suffisamment? Alors, super sympa.
Là tu me tends un piège. Mais je suis content que tu parles de bifurcation parce que c'était le thème des printemps de l'économie l'an dernier. Et ça fait écho quelque part à deux choses qu'ont dit à la fois Asma et Raphaël. La question de l'accélération actuelle vers toujours plus d'usages pour des raisons politiques, mais également des raisons économiques sur lesquelles on a déjà discuté. Et puis peut-être, Asma a employé le terme de débrayeur. Peut-être que si on n'est pas capable de bifurquer parce qu'on a ce qu'on appelle en économie une espèce de dépendance au sentier, eh bien peut-être qu'il s'agit juste de ralentir sans renoncer à tout forcément, et certainement pas à l'essentiel. Mais peut-être que la question du débrayage peut être intéressante. Pourquoi ? Parce que si on reste sur la même trajectoire, il y a quand même, si je dois faire un peu de prospective, et j'ai peut-être un peu cassé l'ambiance, mais on a quand même un souci. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on observe sur le numérique, au fur et à mesure où il se propage à l'échelle de la planète, au fur et à mesure où on en comprend aussi, on en mesure mieux les impacts, donc les impacts environnementaux, mais aussi énergétiques, on se rend compte qu'en fait, globalement, les besoins énergétiques dédiés au numérique augmentent plus vite que notre capacité à créer de l'énergie. Et encore plus fort, augmente plus vite que notre capacité à créer de l'énergie propre, décarbonée. Or, on a un vrai problème quand même de réchauffement climatique aujourd'hui, auquel, si on ne s'attaque pas de front, globalement, on nous prédit un avenir très, très sombre. Et ce, peu importe la région du globe dans laquelle on vit. Donc, on a une espèce d'effet de ciseau là, qui est en train de se matérialiser, parce qu'on a des besoins numériques qui augmentent, on a de plus en plus d'entreprises qui ont des incitations très fortes à nous vendre des services numériques et à nous rendre captifs de ces services pour qu'on les utilise toujours davantage. Le problème, c'est qu'ils sont consommateurs d'énergie. Et je vous dis encore une fois, rappelez-vous l'impact métallique du numérique, parce que le métal dont on a besoin pour nos smartphones, nos ordinateurs, nos télévisions, etc., nos objets connectés, on en trouve dans des quantités encore plus importantes dans les éoliennes ou dans les panneaux photovoltaïques dont on a besoin pour faire de l'énergie propre. Donc, il y a un petit effet Shadok, là, je vous laisse méditer là-dessus, mais c'est quand même assez intéressant. Et donc, in fine, si on ne bifurque pas de cette trajectoire et qu'on n'arrive pas à trouver les moyens d'obtenir des ressources en quantité suffisante pour créer de l'énergie et pour créer les objets numériques dont on a besoin, si on n'a pas les gains d'efficience que l'on espère, qu'est-ce qui va se passer à la sortie ? Je vous le donne dans le mille. Hein. Des guerres, y compris militaires, pour l'approvisionnement en ressources et l'accaparation des ressources qui sont stratégiques. On n'y est pas déjà ? Joker. Asma, est-ce qu'on est dans cette situation décrite par Julien ? Je tente ma chance. Hein. J'aime beaucoup son scénario parce que c'est à peine un scénario. Oui, ça, évidemment, les guerres d'approvisionnement, l'Afrique est un enjeu, une partie de l'Europe et de l'Asie centrale sont un enjeu, et ce qui est en train de se passer actuellement entre les États-Unis et la Chine ne sont pas du tout étrangers à ça. Donc, en début d'intervention, j'évoquais la question des semi-conducteurs qui est aujourd'hui géostratégique, géoéconomique et absolument centrale de ces questions-là, qui en tout cas les cristallise parfaitement. Si tu es en train de me demander une dernière réaction, j'en terminerai peut-être sur ces quelques éléments de réflexion à vous soumettre. On parle beaucoup des GAFAM, de grands systèmes, etc. Moi, ce que je vois est peut-être une intuition qui mérite d'être confirmée, validée ou infirmée, c'est qu'il faudrait, un des débrayages qu'il faudrait avoir, il est d'abord conceptuel, intellectuel, c'est plutôt de se dire, on est dans des formes de gigantisme qui sont inspirées beaucoup par les modèles d'abord américains, ensuite chinois. Et donc l'Europe n'a cessé d'essayer de suivre sans jamais y arriver, les grands, l'Airbus de la tech, le machin, ça. Bon, on n'a jamais vraiment réussi, on n'a pas trouvé la formule, pour plein de raisons qui ne sont pas le sujet d'aujourd'hui. Mais moi, ce que je vois apparaître, et qui peut être un signe d'espoir, ce sont des initiatives qui ne viendront certainement pas d'en haut, mais qui viennent d'en bas, et qui viennent des territoires, dont on ne parle strictement jamais, jamais. Et pourtant, il s'y passe des choses, des réflexions, des initiatives, des projets, des envies, etc., dans des écosystèmes d'innovation locaux, avec des start-up locales, avec l'équipe de chercheurs de la fac d'à côté, etc., et qui, je pense à La Rochelle, par exemple, et qui, en fait, font des choses à leur mesure, dans leur coin, dont personne ne s'occupe et dont personne ne parle, et qui sont assez intéressants. Et donc, peut-être les territoires, avec vraiment leurs moyens, eux, font des choses sur lesquelles ça peut être assez utile de mettre un coup de projecteur, plutôt que d'être dans une espèce de course au gigantisme qui est perdue d'avance, en réalité, pour l'Europe.
et en plus sur un sujet qui est pour le coup global, mondial, interconnecté, etc. Parce qu'il ne s'agit, pas de se dire, tout à l'heure on le disait, mais il ne s'agit pas de se dire combien la France pollue, c'est pas la question. Le sujet est mondial. Donc, si la France pollue à 2%, mais que la Chine et les États-Unis polluent, eux, à 70%, so what ? Enfin, peu importe. À la fin des fins, on est tous embarqués dans la même galère. Donc, il y a une contradiction dans les termes, ou en tout cas, quelque chose à dépasser. Et c'est pour ça que je disais, la responsabilité ne peut certainement pas être individuelle au regard des enjeux, certainement pas. Voilà, je terminerai juste par toujours cette tentative de rééquilibrage en disant qu'il se passe des choses dans les territoires dont personne ne parle et qu'il serait bon d'aller regarder et encourager. Merci Asma, merci Julien. Je crois qu'il nous reste 10 minutes, donc c'est le moment de vous passer la parole. Si vous avez des questions à nos intervenants, n'hésitez pas à lever la main. Oui, je crois qu'il y a un micro qui est censé passer, mais peut-être qu'on peut essayer... Si vous parlez bien fort, peut-être que vous pouvez essayer. Bonjour. Déjà, j'aimerais vous remercier pour ce que vous avez présenté aujourd'hui. Et j'ai une question, c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que la technologie, dans les années futures, va remplacer l'homme ? Merci, c'est une excellente question. Non. Non, heureusement. Alors, on nous a beaucoup fait peur pendant très longtemps. Alors, attention, quand vous lisez les médias mainstream, etc., c'est toujours à prendre avec beaucoup de précautions. Et on s'est joué à se faire peur avec les intelligences artificielles, transhumanistes, augmentées, etc. On n'en est pas là, d'un point de vue de la sophistication technique, algorithmique. Donc, on n'est pas encore arrivé à ce point de singularité, on va dire. Ça s'appelle comme ça, le point de singularité, le moment où ça bascule et les IA fortes en fait, prennent le contrôle. Donc évidemment, on n'y est pas. Je ne sais pas si un jour on y sera, je ne l'espère pas. Mais la question que tu poses, elle est fondamentale. En revanche, parce qu'elle pose une question qui, elle, est actuelle, c'est de se dire comment est-ce qu'on organise la technologie, l'IA, qui est en fait un système, c'est un outil d'aide à la décision et qu'il ne reste que ça. Une aide à la décision qui est parfaitement faillible, qui n'est absolument pas parfaite, qui est basée sur des statistiques, donc basée sur le passé, etc. Et donc c'est la question de comment est-ce qu'on repense notre rôle à nous, les hommes, les humains, avec la technologie, avec ces outils-là, mais surtout pas, et vous faire très attention à ce qu'ils ne prennent surtout pas en fait notre place, c'est-à-dire qu'on s'immisce dans une espèce de flemme où tout d'un coup, c'est la machine qui ferait tout, et puis nous, on serait juste là pour valider, appliquer. Mais c'est une question qui est fondamentale, et qui est d'autant plus fondamentale qu'elle s'applique des fois à des sujets régaliens, comme la justice prédictive, la police prédictive, etc. Et donc, il faut prendre ça avec énormément de précautions. Julien, tu n'y crois pas tellement non plus, au remplacement de l'homme par la machine ? Non, mais en fait, la question qui est excellente et qui mériterait beaucoup plus de temps pour développer une réponse intelligible, en fait, pose la question de la destruction créatrice. Mais la technologie a vocation finalement à rendre obsolètes certaines compétences, notamment des compétences humaines, mais crée aussi le besoin de nouvelles compétences pour déjà produire la technologie, puis ensuite l'utiliser, la maîtriser, etc. Mais il y a quand même, je veux vraiment faire très court, mais ça mériterait qu'on en discute peut-être à l'issue de la conférence, mais effectivement, les capacités de la machine, les capacités de l'algorithme, les capacités de l'intelligence artificielle à remplacer l'humain dans son utilité en tant que travailleur, mais également son utilité sociale, reste de toute façon pour l'instant très limité. Ceux qui ont essayé, il y a eu quelques expériences à droite, à gauche, je pense notamment à un hôtel au Japon, par exemple, qui ont essayé globalement, sont vite revenus en arrière parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne fonctionne pas des masses. Effectivement, il y a certaines compétences aujourd'hui dans l'entreprise qui sont rendues obsolètes par la technologie, mais dans l'ensemble, on a toujours besoin de travailleurs. Et parce que derrière chaque travailleur, on a des consommateurs. Et donc, une économie sans
consommation, sans demande, c'est une économie qui ne fonctionne pas. Il y a une offre, il y a une demande. Et donc, pour l'instant, on a quand même encore besoin d'avoir des humains dans le système, donc des besoins en force de travail contre rémunération qui permet derrière de la consommation. Il y avait une autre question, je crois, en oui. bas. Bonjour. Merci beaucoup pour vos interventions très intéressantes. Je travaille pour l'ARCEP, c'est l'autorité qui régule les télécommunications, les opérateurs de télécom notamment, donc ça nous intéresse pas mal ce sujet. Il y a une vraie sensibilité au sein de l'autorité pour ce sujet. Je voulais rebondir, je trouvais ça très intéressant, votre intervention, notamment sur les enjeux géopolitiques, la réflexion collective qui doit être menée. Mais pour moi, elle n'est pas en contradiction forcément avec aussi la responsabilité individuelle de chacun, la réflexion sur nos usages. Quand on voit que Raphaël Guestavi a mentionné ce chiffre, 2,5% des gaz à effet de serre au niveau national, en 2040, je crois que ça sera plus du 6,7%. L'enjeu, il est quand même là. Du coup, pour moi, je me disais, voilà, il y a tous ces enjeux géopolitiques qui nous dépassent, etc. Et la réflexion doit être collective, mais ça vaut le coup aussi d'aller nous informer l'utilisateur, le consommateur, chacun de nous dans cette salle. Et je ne vois pas forcément de contradiction. Et deuxième point, c'était que vous disiez qu'il y avait des indicateurs, des mesures de collecte, etc., assez développées. Là, je minimiserais juste le propos en disant que, non, justement, il n'y en a pas assez. Ce n'est pas assez précis. Elle doit être affinée, comme disait Raphaël Guestavi, et l'ADEME et l'ARCEP travaillent beaucoup sur le sujet. Donc, il y a un vrai encore travail à mener. Voilà. Je réagis. Non, je n'ai pas dit qu'il y avait une contradiction. J'ai dit ce que je dis, c'est que souvent dans le discours, c'est la responsabilité individuelle parce que c'est la plus simple à manier dans la symbolique et dans la rhétorique politique. Or, ce que moi je dis, c'est que non, c'est une réflexion systémique, fondamentale. La preuve en est. Prenons le sujet, disons à contrario. S'il ne s'agissait que de responsabilité individuelle, on n'y serait pas. On serait tous, en fait, à développer les bons usages qui vont bien chacun chez soi. Or, chacun chez soi, on est tous sur des applis, on a tous... Alors, on fait un test. Qui a un smartphone ? Encore, ok. Voilà. Il y a plus de smartphones que d'êtres humains. Mais... Et il y a plus, d'après ce que me souffle Julien dans l'oreillette, il y a plus de smartphones, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs smartphones par individu en plus. Bon, en tout cas, il y a un taux d'équipement. Mais ce que je veux dire, c'est que, mais là, vous avez raison, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de contradiction. Et c'est précisément tout notre travail collectif, les institutions, les régulateurs, le politique, nous, les intellectuels, les enseignants, les médias, c'est un travail évidemment collectif de sensibilisation. Mais le passage à l'acte nécessite une réflexion de fond qui, elle, dépasse simplement vous, moi, seul, chez soi, face à sa télé connectée. Ça dépasse parce que, précisément, si vous en êtes arrivé à avoir Netflix et la télé connectée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas enclenché, quelque part, dans le système. Et c'est simplement ça que j'essaye d'indiquer, parce que moi, je le vois avec mes étudiants, ils culpabilisent, ils sont déprimés, ils sont mal, ils pensent que c'est leur faute. Et c'est une erreur, c'est grave, c'est dangereux que de leur faire croire ça. C'est une réflexion collective à avoir et politique à avoir. Et il est hors de question pour moi, enseignante, de faire croire à mes étudiants que c'est leur faute à eux individuels. Ça serait grave de le faire. Et parfois, on a cette tendance à sur-individualiser la responsabilité. Et ensuite, et après j'en terminerai là de façon beaucoup plus brève, sur les indicateurs. Je ne dis pas qu'ils sont sophistiqués du tout. Je dis que la techno, si elle est développée à bon escient, peut servir à ça, et qu'on a aujourd'hui des débuts de projets dans les territoires qui commencent à essayer de développer des plateformes de mesures pour des territoires zéro carbone. Et que sans la techno, c'est-à-dire sans une capacité à capter beaucoup de data et de la traiter, ce qu'un cerveau humain factuellement ne peut pas faire, ne peut pas ingurgiter, eh ben on n'y arriverait pas. Et donc, c'est simplement de remettre en regard les bons usages de la technologie versus les mauvais. Merci Asma, ce sera le mot de la fin, le temps imparti est écoulé, donc reste à vous remercier pour votre attention, et puis merci à Asma et Julien pour leur intervention, et Raphaël en visio. Merci à tous et bon après-midi, bon appétit, bon après-midi. Merci beaucoup, à bientôt.